Je me sens heureux, bien sûr, d'être entouré par toute cette grande famille des chrétiens. Et ce qui est fort aussi, c'est que lorsque l'Église confie une grande charge, elle ne la confie pas de manière administrative, mais elle confie cette charge avec beaucoup de délicatesse. Et cette grande foule qui est là, c'est l'Église qui exprime sa délicatesse. Une charge est confiée et en même temps, le peuple est là pour accompagner celui qui va assumer la charge. Et on peut lire à travers ce grand rassemblement la délicatesse de l'Église qui accompagne celui qui, au nom du Christ, s'engage. Tous ensemble, nous sommes le peuple de Dieu, ici, en Moselle, un peuple qui, depuis le 24 juin dernier, est invité à une conversion pastorale et missionnaire. Oui, bienvenue à vous toutes et tous, ici présents en notre cathédrale, et à celles et ceux qui nous écoutent grâce à RCF Jéricho-Moselle ou par les réseaux sociaux. Ensemble, nous vivons cette fête par laquelle Dieu notre Père, par le don de l'Esprit-Saint, donne à son Église un pasteur à la suite de l'unique pasteur qu'est le Christ Jésus. Et maintenant, parole au diocèse de Saint-Dié. Il a été ordonné prêtre le 11 juin 1994 pour le diocèse de Saint-Dié. Et en 2011, il devient vice-officiel de l'officialité métropolitaine de Besançon. C'est en 2012 que Jean-Pierre devient curé modérateur de la paroisse Saint-Goëri d'Épinal et curé doyen de la communauté des paroisses d'Épinal. C'est là que l'appel du pape François l'a rejoint. Vous découvrirez assez rapidement les qualités de Jean-Pierre, de Monseigneur Villemain. Jean-Pierre va devenir le plus vosgien des Mosellans. Accueillez-le de tout votre cœur, mais pour nous, il restera le vosgien Mosellan de cœur. Amen. Merci. Père, la Sainte Église catholique, notre mère, vous présente Jean-Pierre, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge, qu'on en fasse la lecture. Le vénérable frère Jean-Christophe Laglaize a récemment sollicité de pouvoir bénéficier de l'aide d'un compagnon dans le gouvernement de la vie du diocèse. Nous avons pensé à toi, fils bien-aimé. Par conséquent, après avoir écouté l'avis de la congrégation pour les évêques, en vertu de notre autorité apostolique, nous te nommons évêque auxiliaire de Metz. Cela signifie
que nul ne se fait évêque par lui-même ou par intrigue, mais en raison d'un appel. L'appel de Dieu, l'appel de l'Église, l'appel du peuple de Dieu. Pour toi, Jean-Pierre, comme pour chacun de nous, frères évêques, cet appel vient nous saisir par surprise, comme pour tant de personnes de la Bible et de l'histoire de l'Église. L'évêque est et demeure d'abord un baptisé, un diacre, un prêtre. L'évêque demeure disciple de Jésus, avec tous les autres disciples de Jésus. Saint Augustin le résume ainsi : avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis l'évêque. Jean-Pierre, tu entres dans le collège apostolique, tu entres dans la succession apostolique, c'est-à-dire cette communion ininterrompue qui nous relie aux apôtres du Christ. Évêque, nous avons pour mission de conserver cette communion catholique unie au successeur de l'apôtre Pierre pour le service de l'ensemble des fidèles du Christ. Frères et sœurs, pour votre service et avec vous, le ministère épiscopal se fonde d'abord sur l'accueil de l'Esprit-Saint qui nous donne la persévérance, la communion et l'intercession. Persévérant, tu le seras et nous le serons en puisant notre force dans l'accueil de l'Esprit-Saint, dans la rumination de la parole de Dieu, dans les sacrements reçus et célébrés. L'Esprit-Saint vient nous conforter pour le service de la communion. La communion, symbole de l'unité de l'Église et plus largement symbole de toute l'unité du genre humain, doit être notre préoccupation permanente. Évêque, nous avons à user nos forces, notre énergie, parfois notre santé, pour accueillir largement, favoriser la croissance vers le bien et la justice pour chaque personne, en tenant compte de ce que chacun peut faire. La communion, l'évêque en est le signe pour dire et redire que l'Église diocésaine ne se suffit jamais à elle-même, à elle toute seule. L'évêque ouvre l'Église dont il reçoit la charge à l'Église du Christ, qui est catholique universelle. L'Esprit-Saint nous institue intercesseur. Devenir évêque élargit tout à coup notre prière à la dimension de notre diocèse, de toute l'Église, de toute l'humanité. Notre cœur, notre prière s'élargissent en des dimensions que nous ne pouvions pas soupçonner, nourris par les rencontres, par les confidences et les célébrations. Par la prière et les célébrations liturgiques, Jean-Pierre, tu seras heureux d'être chrétien avec les chrétiens et comme évêque avec les prêtres, d'être signe et présence du Christ bon pasteur avec son peuple. Jean-Pierre, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la force de l'Esprit-Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité
et sans relâche. Oui, je le veux. Jean-Pierre, que lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, pour Jean-Pierre qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce. Jésus-Christ, notre Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te soit rendu à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit-Saint. Jean-Pierre, recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse du Christ, la Sainte Église. Recevez la mise. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Je sais, certains parmi vous auraient aimé un évêque un peu plus mosellan et non pas ce petit gars des Vosges. Rassurez-vous, votre terre ne m'est pas tout à fait inconnue. Et puis, je fais confiance aux mosellans pour me faire connaître et aimer leur département. Je sais, certains parmi vous auraient aimé un évêque un peu plus grand.
C'est vrai qu'avec Monseigneur Laglaise, l'attelage va être un peu déséquilibré. Mais rassurez-vous, on s'est déjà entraîné à marcher ensemble, sans être déséquilibré, mais en conjuguant harmonieusement nos forces. Nous ne serions pas réunis aujourd'hui ici si mes parents, Georges et Annie, ne s'étaient pas mariés il y a 60 ans, dans quelques mois. Je les remercie pour tout l'amour partagé. Je suis évêque titulaire de Tehuane et je sais qu'il y a des gens du Nord, quelques-uns, un couple qui vient de Tehuane. Il y a également un prêtre ch'ti, le père Vincent Grodziski. Il va vous dire quelques mots en ch'ti. Chers amis, ça me fait tout drôle de vous parler en ch'ti. Mais comme Monseigneur Villemam l'a demandé, ben voilà, je vais essayer. Oui, chers amis, vous accueillez ici un homme de cœur qui porte la joie et qui est fidèle. Merci Jean-Pierre. Merci Vincent. Deux autres amis prêtres qui étaient avec moi en Corée, lorsque j'ai fait la coopération militaire, viennent de loin, de très loin. D'abord, le père François-Xavier Or, qui est missionnaire au Japon et qui va nous dire quelques mots en japonais. Vilma Shikyo-sama, Jean-Pierre Kun, Kyo, Seilei ni yotte, anata ga Shikyo no shime o hatasu you ni, 招かれているので、神様に感謝しています。Et puis le père Benoît Nouvel, qui vient du Béarn et du Pays Basque, qui va nous dire quelques mots. Hunani Yauna. Me voici, Seigneur. Toutes ces langues rappellent que nous faisons bien partie de l'Église qui a pris naissance le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, j'entre dans le collège des évêques, successeurs des apôtres, qui le jour de la Pentecôte reçurent la force de l'Esprit-Saint pour aller annoncer l'Évangile dans toutes les nations. Je continuerai donc à voyager, modérément je vous rassure, pour vivre concrètement cette dimension universelle de mon ministère d'évêque. Mais c'est d'abord et surtout en terre mosellane que je vais voyager, confier à Dieu ce beau voyage, afin qu'il guide mes pas. Évêque auxiliaire, je m'engagerai avec le meilleur de moi-même dans cette charge que j'ai acceptée en présence de vous tous. Dieu n'a pas seulement été le témoin de mon engagement aujourd'hui. Je sais que Dieu s'est engagé avec moi dans ce don de moi-même pour l'Église qui est en Moselle. Je confie déjà à Dieu dans ma prière quotidienne tous ceux qui, avant moi, ont consenti à un tel don, en particulier les prêtres du diocèse de Metz. Dans l'attente de pouvoir les rencontrer dans les mois qui viennent, je les confie déjà à celui qui appelle et qui envoie en lui la joie d'être sauvé. Soyez aujourd'hui assurés de la joie qui m'anime d'être avec vous tous, serviteurs de l'Évangile. Prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs, je vous remercie.
Que le Seigneur Jean-Pierre vous bénisse et vous garde. Il vous a établi comme pasteur de son peuple. Qu'il vous donne d'être heureux ici-bas et d'obtenir en partage la vie éternelle. Amen. Amen.